Ok. Ah, bah Thibaut, c'est pas mal. C'est. Il y a une certaine connexion. Bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien. Nous sommes les super méga gagnants. Taquet. Qui est les meilleurs? Donc aujourd'hui, c'est vidéo viking. La prochaine fois. Mets ta main là. Arrête, c'est moi. Oh merde. Mettez-le en commentaire. Nous avons l'honneur d'accueillir les grands, les joyeux, les mais heureux, ne cache pas mes amis, Juju Picat et T-Boy Shay. Enchanté, c'est un plaisir d'être chez vous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Non. Ouais. C'est pas vrai. Mais je te jure. C'est un truc de ouf parce qu'en plus c'est une vidéo couple. Est-ce que je vais être avec Ninou? Ah, t'as vas-y si tu veux, vas-y, bah, vas avec moi, ça me va l'aider. Voilà. Aujourd'hui, on mélange tout. Enlève tes mains, s'il te plaît. Bon. Elles étaient là, hein. Non, c'est vrai, mais la troisième. Nous allons tester la compatibilité de nos couples. Durant ce test, nous aurons des choix, des réponses à choix QCM. Enfin, bordel. Donc, pour ce test, c'est un peu le même principe que les amours. Oui. Vous allez avoir une question, plusieurs réponses possibles. Tous ensemble, nous allons choisir la réponse qui nous correspond à nous-mêmes le plus. Le principe, Johan qui est ici présent va comptabiliser les réponses. À la fin de ce test, nous saurons qui de nous quatre est compatible avec qui de nous quatre. Oh putain. À tout moment, on échange nos couples. Récemment, vous n'avez pas sorti un jeu vidéo? Et oui. Effectivement, en effet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce... Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce... Est-ce que vous pouvez parler du jeu? Mais bien sûr, Thibaut. Et je vais même vous dire, Lulu, qu'à l'heure où cette vidéo est en train de passer, là, il y a un nouveau monde qui vient de sortir. Donc allez-y, avec 30 nouveaux niveaux. Et là, tous les 10 jours, il y a un nouveau niveau. Donc tous les 10 jours, on rajoute 30, 60, 90 niveaux. On est au... Taquet. Merci. Le lien est dans la description. Taquet toujours là. Bien sûr. Et Johan va incruster ici, il adore faire ça en plus. Ouais. Une petite image du jeu. Super. Téléchargez le jeu sur vos téléphones Android, iOS. T'as un placement de produit à faire. Thibaut vend des élastiques de cuisse. Ah ouais, c'est ça. C'est pas comme ça qu'on dit? Si, c'était pas mal. C'est ça, c'est pas comme ça? Bande de résistance. Bande de résistance. Pardon. Mais la cycle de cuisse, j'aime beaucoup. Commençons-nous cette vidéo, peut-être? Oui. Nous allons attaquer cette vidéo. Attention, je distribue les ardoises. Ah, moi, je fais une bleue. Mais c'est pas bleu, ça, c'est violet, Loïc. Oui, violet. Oui, en plus. Oh là là, mais c'est qu'il est daltonien. Vous cherchez en vain un DVD que vous avez acheté récemment. Vous cherchez dans le bazar habituel de votre conjoint. Vous demandez à votre partenaire de vous aider à chercher. Vous exprimez votre tristesse et votre agacement de l'avoir perdu. Vous l'accusez de l'avoir pris et égaré. Vous réfléchissez pour savoir quand vous l'avez vu pour la dernière fois. 1, 2, 3. Ah, bah Thibaut, c'est pas mal. C'est. Il y a une certaine connexion. Donc, attends, toi, c'était quoi la B déjà? Moi, j'ai mis B. B, c'est quand on demande au partenaire où est-ce qu'elle a mis. Moi, j'aurais accusé Loïc, c'est sûr. Ah ouais? Et toi, Juju, du coup, c'est quoi? Moi, c'était j'aurais exprimé ma tristesse de l'avoir perdu. Oh, je suis comme ça. Non, mais c'est une victime. Elle est. Votre partenaire rentre tard du travail. Vous lui trouvez un air soucieux. Vous insistez pour savoir ce qui se passe et vous lui posez plein de questions. B, vous le cajolez pour essayer de le détendre. Attends. C, vous lui demandez ce que vous pouvez faire pour lui. D, vous lui faites remarquer que ce n'est pas sympa de vous faire la tête. Ou E, vous lui offrez un verre et lui préparez son repas. Là, je crois qu'il n'y a pas de débat. 3, 2, 1, top. C, A, C. A. Oh, c'est trop choupi. Donc nous, clairement, moi nous je me harcèle. Un couple d'harceleurs quoi. C'est en mode qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la tête. Ça va pas? Dis-moi ce qu'il y a. Parce que là, bon, on est là, on est un peu dans la confidence, on est entre amis. Oui. La plus grosse dispute qu'on ait eue, à cause d'un match de foot, Monaco perd. Je suis pas énervé, hein. Elle me dit, t'es énervé, Monaco perd. Non, non. Ah si, t'es énervé, je le vois. Ça a duré un quart d'heure, hein, quand même. Au bout d'un quart d'heure, j'ai explosé. Il regarde un match de foot à la télé. Ah bah tiens, très bien. Ok, c'est moi ça. Ça n'arrive jamais. A, vous allez vous blottir près de lui. B, vous lui proposez la fois suivante d'aller voir un match en vrai, au stade. C, vous pensez qu'il ne fait pas attention à vous et cela vous frustre. D, vous souriez, il faut bien qu'il s'amuse de temps en temps. Ou E, vous trouvez ça puéril et même un peu niais. Attention, bon 3, 2, 1. Oh. Donc moi j'ai dit que je trouvais ça puéril et absolument nul. Moi j'ai dit faut bien qu'elle s'amuse la petite. C'est il faut tu souris, il faut bien qu'il s'amuse de temps en temps. Mais du coup moi j'ai remplacé le match de foot par les mangas. C'est oui, voilà, animé. Vous voulez acheter un nouvel ordinateur, il ou elle n'est pas d'accord. Vous argumentez pour prouver que cet achat est justifié. B, vous lui dites qu'il en profitera lui aussi. C, vous lui expliquez que vous avez les moyens de le financer. D, vous pointez son manque de solidarité et de générosité. Vous voulez connaître les vraies raisons de son refus. Et est-ce que c'est possible d'avoir les 5? 2, 1, go! C'est... Oh, oh mais attends, mais nous, bébé! On n'a rien de compatible!
Qu'est-ce que je te dis, mon chat? Je suis pas ta câble, hein. Moi, ce que je vois, c'est que pour le moment, j'ai aucune comptabilité. Pour le moment, j'ai aucune compatibilité avec mon mec. Après, très sincèrement, on n'a pas besoin du challenge pour le savoir, ça. Vous rentrez et vous trouvez le frigo vide. Ah, ça, c'est honteux. C'est un scandale. Alors, ça, j'accepte pas. Tu peux aller faire les courses. Ça, c'est un frigo vegan. A, vous allez faire les courses sans attendre. B, vous faites remarquer à votre partenaire qu'il aurait dû vous en parler. C, vous lui demandez si c'est lui qui a vidé le réfrigérateur. D, vous lui proposez d'aller dîner au restaurant. Ou E, vous lui rappelez que c'est à son tour d'aller faire les courses. 3, 1, 2, 3. D. Ah. Ben, on n'est pas d'accord, pareil. Bah, du coup, moi, quand j'ouvre le frigo vide, je vais direct faire les courses. Ouais, mais est-ce que moi, je vais le faire? Ah non, toi, pas du tout. Toi, tu ouvres le frigo vide, tu me regardes et tu me dis. Toi, t'aurais fait la dernière réponse, toi. Je vous demande d'aller faire les courses. Bah, en fait, là, je t'aurais dit, j'y serais allé, mais j'aurais bien aimé que tu me préviennes. Ouais, pareil. Nous, on est mignonnes, Roxane. Ouais. Tu vois, t'as pensé au resto, moi, j'ai pensé à aller faire les courses direct, voilà, des femmes, quoi. Au téléphone, votre belle-sœur vous annonce qu'elle arrive avec son mari pour le week-end. Putain, ça me gâte. Attends, moi, du coup, je peux remplacer belle-sœur par belle-mère. Vous déclenchez le plan grande occasion, vous déclenchez le plan service minimum. C, vous êtes content, mais pourquoi est-ce qu'elle vient? D, vous êtes jaloux, elle va monopoliser toute l'attention de votre partenaire. Ou E, vous êtes ravi, ce sera l'occasion de faire une fête. Attention, 1, 2, 3. C'est tous. Ah ouais. On est contents, pas quoi. Ah ouais. Bon, en vrai, on se dit tous ça, donc. Mais après, pourquoi elle vient, ça peut être aussi positif de dire qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il quelque chose de grave? Y a-t-il quelque chose d'important? Je suis toute oui, belle maman. L'occasion de faire une fête. Votre partenaire doit partir une semaine en déplacement professionnel. Mon cul. C'est ça, ouais. Toutes les corvées vont être pour vous. Vous êtes triste à l'idée de rester seul aussi longtemps. Vous lui faites jurer de vous téléphoner tous les jours. D, vous lui faites une foule de recommandations. Non, allez, refais là. E, vous vous empressez de préparer sa valise. Ah, j'ai lâché des pouces. Redis déjà. 3, 2, 1. Ok. Oh là là. C'est vraiment un connard. Je savais que t'allais mettre ça. Il veut se débarrasser ouais, de moi. Ouais, mais c'est des putains de faux culs. Qui c'est qui va te... 2 jours sans juste ça passe, tu vois, mais une semaine, c'est long, quand même. Bah, c'est le téléphone. Bah, surtout pour les TikTok, quoi, pour tenir téléphone et tout. Ouais, c'est ça, et pour ses repas du midi, surtout, ouais. Vous ne votez pas pour le même parti. Vous cherchez à comprendre les raisons de son choix. B, vous lui expliquez les failles du programme qu'il a choisi. C, vous vous moquez avec ironie de ses opinions politiques. Vous ouvrez le dialogue et vous essayez de convaincre l'autre. E, vous remettez en question le bien fondé de vos propres engagements. 1, 2, 3. D. D. A. B. Ok. Mmh. Oh, les compatibles. Moi, je suis team, je veux te convaincre. Oh, ouais. Bah, j'ai tout le temps envie d'avoir raison, tu le sais. Moi aussi, je t'écoute, quoi. Ouais. Et toi, mais est-ce que tu l'écoutes d'une oreille attentive ou tu l'écoutes pour qu'elle arrête de parler? Ouais. Il fait semblant de l'écouter. Je comprends. Elle veut sourire. Votre partenaire voudrait réaliser un fantasme érotique. Vous êtes partant pour l'aventure, cela vous stimule. Vous lui dites que les fantasmes, c'est pas fait pour être réalisé. Vous lui proposez un des vôtres à la place. Vous lui reprochez son égoïsme. Vous n'avez qu'un but, lui faire plaisir. 1, 2, 3. A. Oh là là, c'est compliqué chez vous là, non? Moi j'en ai marre. Il ou elle regarde assidûment un magazine plein de photos sexy. A. Vous cherchez à savoir ce que ça lui apporte. B. Vous faites disparaître l'objet dès qu'il a le dos tourné. C. Vous lui dites qu'il se rend complice de ceux qui exploitent les corps. D. Vous plaisantez sur ses goûts. Ou E. Vous vous sentez moche. 3, 2, 1. Hop. D. Ah oh ouais, quand mon nez, nous. Mais bébé, en vrai, je pensais que tu dirais C aussi. Ouais. Ah non, mais bébé, quand tu mates une meuf ou un truc, je suis la première genre à rigoler ou même à mater avec toi, alors. Ouais, moi aussi, je voulais dire ça. Tu sais que tu devrais faire gaffe à ce que tu dis, parce que Juju, elle va reprendre cet extrait et le remettre dans une de ses vidéos. Donc, alors méfie-toi maintenant, quand même. Pour être très honnête avec toi, je suis pas confiant. Hein. Mais écoute, c'est l'heure des comptes. C'est l'heure des comptes. Sont faits pour être ensemble. Oh, okay. Donc du coup on reste ensemble. Oui. Mais t'es plus fait pour être avec Juju, t'es fait pour être avec Luc. Ah. Je t'ai dit qu'il se passait un truc entre nous. Moi je me casse. Bah voilà. Tu vois, c'est désolé là, Loïc, mais c'est pas la plus mauvaise nouvelle de la journée. Mais du coup là, ce qui est triste, c'est que toi t'es tout seul. Loïc est plus fait pour être avec Thibaut. Ah. Ouais, mais bébé, alors, du coup, il y a un truc qui a bugué. Il y a un truc qui va coincer surtout. Ouais, c'est Juju et Thibaut sont compatibles. Bravo, bravo. Mais nous, on s'incruste avec eux et toi tu vas avec Thibaut et moi je vais avec Juju. Voilà. Moi je crois en votre couple. Après les on pourra faire une thérapie si vous voulez. Une vidéo psychologie thérapie. Ah ouais, j'aimerais bien, ça me ferait du bien, non? Ouais. Vous voulez qu'on discute? Ouais, je veux bien, ouais. Ok. Ouais. Bon, on peut enchaîner. Abonnez-vous pour la suite. On vous aime de ouf, de dingue, de malade, on vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Au revoir. Et du coup, on se quitte, quoi. On se sépare. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. C'était cool.